Bonjour, bienvenue sur Verre à Vino. Bonjour Jérôme, bonjour à tous et à toutes. Bonjour Paul. Dans quelques secondes, Paul va vous expliquer ce qu'il pense. Donc de quel vin aujourd'hui, Paul ? Alors aujourd'hui, on va déguster deux produits de chez Alain Cavaillès qui se situe à Magry, non loin de Limoux, sur deux produits qui sont la blanquette et la méthode ancestrale. Très bien. Alors pourquoi Blanquette de Limoux, enfin Limoux, et pourquoi Alain Cavaillès ? Pourquoi ? Hein, pourquoi ? Eh bien, en fait, tout simplement parce que c'est quoi, il y a à peu près deux semaines. Oui, une quinzaine de jours. Une quinzaine de jours. Oui, 2 × 8, oui. Ouais, c'est ça à peu près, ça fait 16. Donc, il y a une douzaine de semaines. Hein, là, je suis en train de m'embrouiller, hop là. On est allé donc visiter Alain Cavaillès et faire une dégustation directement au vignoble. Et on a ramené quelques bouteilles, dont celle-là, que tu vas nous présenter, déguster et donner ton point de vue, Paul. Tout à fait, Jérôme. Allez, c'est parti, je t'écoute. On est parti. Alors, ces deux produits, nous avons en premier la méthode ancestrale, qui est un vin effervescent, bien sûr, qui est produit avec exclusivement le cépage Mossack. C'est un vin qui est très peu alcoolisé, puisqu'on est en dessous de 7 degrés. Et je vous propose de le déguster. Et je vous ferai un commentaire sur ce produit. C'est parti, Jérôme. Eh bien, écoute, bien volontiers. Il n'y a que toi qui pourras déguster. Non, je te fais goûter aussi. Ah, ok. Non, c'est important parce que... Bon, je veux dire, moi, si je suis dans Verre à Vino, c'est aussi pour goûter des bons vins. Mais tu as bien raison. Hein ? Goûter et apprendre, d'ailleurs, parce que c'est toi l'expert et moi, j'apprends auprès de toi. La difficulté d'ouvrir les bouteilles de vin effervescent est toujours la même. Ce que je vous conseille, c'est de faire légèrement tourner le bouchon et la bouteille en sens inverse, de maîtriser votre ouverture afin de ne pas avoir le produit qui sorte d'un seul coup. On verse le verre légèrement horizontal afin de ne pas dégager trop de mousse. Tiens Jérôme. Merci Paul. N'oublie pas de tenir par le pied. C'est plus élégant et ça permet de ne pas mettre les odeurs que l'on a sur les doigts. Ce que tu appelles le pied, c'est là. Hein, c'est le pied. C'est pas là. Hein. Voilà, ici. C'est ça. La première des choses quand on déguste un vin effervescent, c'est de regarder la qualité des bulles. Donc, nous avons une présence de bulles suffisante. Elles sont fines, ce qui est intéressant. On va mettre une note sur la couleur du vin. N'oubliez pas, on regarde toujours la couleur d'un vin de haut en bas sur du blanc. Donc ici, on a un vin qui est d'une jolie couleur jaune-verte. On va mettre une première fois son nez, ce qu'on appelle le premier nez, pour qualifier l'intensité du vin, et ensuite remuer pour permettre à l'air d'oxygéner la surface et de dégager les arômes. Là, on est sur un nez que l'on va qualifier par rapport à une grille cartésienne que j'ai simplifiée volontairement et que je vous donne sur le côté soit minéral, le côté soit végétal, le côté soit animal. Et dans le végétal, vous reprendrez toujours les fruits, les fleurs et le reste, c'est-à-dire la forêt, l'humus, etc. D'ailleurs, je te coupe, ça tu pourras nous l'expliquer dans la vidéo suivante. Alors ça, nous ferons une vidéo suivante qui vous permettra d'avoir les techniques simplifiées de dégustation des vins pour pouvoir vous donner une approche plus technique sur votre perception du vin et comprendre comment on apprend à déguster le vin. Donc là, on a une intensité qui est bonne et on qualifierait ça plutôt de végétal. C'est dans le végétal, on le qualifierait plutôt de fruit ou de fleurs. On est sur des fruits style pommé et des fleurs style blanche. Hein, ça sent le printemps, on dira, et les fruits d'automne. Ensuite, on met le vin en bouche. Et là, sur la bouche, quand on garde suffisamment longtemps le vin dans la bouche, on qualifie les 4 saveurs que nous avons sur la langue, c'est-à-dire l'acide, le sucré, l'amer et le salé. Là, on est sur un produit qui est frais par l'impression tactile, puisqu'il sort du frigo. Alors, à ce sujet,
Soyez vigilants sur les températures de service des vins effervescents, des vins blancs et des vins rosés, plus généralement. Ne descendez pas en dessous de 10 degrés. Ça a tendance à atténuer les saveurs et on dit que vous allez tuer le vin. D'accord? Là, on est sur une saveur donc plutôt sucrée, avec un peu de fraîcheur, une température idéale. Et on a un produit qui est très honnête dans sa gamme de prix et qui permet de faire des apéritifs en fin de journée, notamment maintenant l'été, sur une note rafraîchissante, qui permet d'être accompagné de choses telles que des apéritifs sucrés ou salés. Il a une bonne netteté de goût en bouche. On a un produit, Jérôme, que je trouve très agréable et je félicite Alain pour cette réussite parce que on a une image des produits de Limoux un petit peu vieillotte et Alain prouve très bien qu'on peut faire quelque chose de moderne, adapté au marché et très plaisant et je vous invite à découvrir ces vins-là. Honnêtement, bon, on habite Roquevert là, on est filmé à Roquevert, donc à côté d'Aubagne, à côté de Marseille. Il y a quelques semaines, on a fait, pour la fête de la musique, une soirée en bord de mer à Cassis. Je me souviens bien, oui. Hein? Et j'avoue qu'on aura eu cette petite méthode ancestrale de Limoux d'Alain Cavaillès sur la terrasse en bois avec la plage, une des petites plages de Cassis. Le port était parfait. Ah, je me vois bien là. Il était tout à l'heure, ça passait bien. Voilà, donc pour l'été, voilà, ça peut vous donner des idées de dégustation, profitez-en, c'est le moment. Et n'ayez pas peur de consommer ces produits sucrés que l'on fait beaucoup en Italie, hein, dans les catégories spumantes, etc. Et on a oublié que nous aussi, dans notre belle France, nous étions capables de produire des vins pareils. Et le grand avantage, tu l'as dit au début, c'est que c'est faible. Sur du 6 et 2000. Voilà, d'alcool. Donc c'est toujours consommé avec modération, mais on est largement en dessous d'un vin blanc. C'est une bonne alternative à, je ne citerai pas de marque, à la bière fraîche que l'on boit souvent. Voilà. Très bien, Paul. Alors, sous la vidéo, si vous êtes sur le site veranvino.tv, en dessous de la vidéo, vous avez un lien qui va vous permettre à la fois de télécharger la fiche descriptive. Alors, qu'est-ce que l'on va trouver sur la fiche descriptive, Paul ? Les notions de terroir général, hein, la climatologie, le sol, les cépages, la méthode de vinification, la dégustation et bien évidemment la tranche de prix et voilà, les moyens de s'en procurer. Voilà. Et en même temps, donc vous allez pouvoir avoir accès à la vidéo où Paul va vous donner quelques méthodes pour apprendre à déguster, ce qui vous permettra à la fois de déguster le vin et surtout de l'apprécier à sa juste valeur. Voilà. Voilà pour aujourd'hui. Hein. Donc, rendez-vous tout de suite sur la vidéo suivante en renseignant le formulaire ci-dessous et on se dit à tout de suite.